Hubul 2010, Hubul. L'endroit humide, l'endroit où pousse l'arbre, où pousse la haie. L'endroit lacustre, l'argile. L'herbe couverte de rosée, l'automne. Endroit à la fois plein sud, mais en même temps caché dans l'humidité, dans la haie. Vigne étonnante. Robe évidemment très marquée encore par la lie, très marquée par la liqueur aussi, avec des reflets orangés, des reflets de matière. Nez dévastateur, ça c'est vraiment une bombe. On a le miel d'acacia et en même temps le fruit mûr. Une chose plus oxydative, le résiné, ça cherche son chemin au milieu de tout ça. Cran liquoreux. Précis, tendu, avec une acidité comme un élastique, qui rend le vin extrêmement buvable, avec une tension de la forme, avec une élégance aussi, avec un appel du sucre. C'est vraiment un vin de dessert, ça appelle le sucre, c'est étonnant pour un vin qui a 100 grammes de sucre. C'est de la grande musique, cette histoire-là. Retour sur le citron, la sanguine. L'épicé au sens du muscat, le côté muscat fruit qu'on mange. Étonnant. Ça va être difficile de mettre quelque chose après. Hein. Aucune des limites du grand liquoreux. Tout l'élan d'une matière tendue. C'est plus compliqué.